Salut tout le monde, c'est Dahlia, on se retrouve pour le 10e épisode du Switchlock Challenge sur Pokémon Noir 2 actuellement. Nous devons poursuivre la team Plasma, et bien c'est ce que nous allons faire. Ah, j'ai fait ce dresseur, ok. Des dresseurs que je n'ai pas fait et d'autres que j'ai dû faire, sans doute. Qu'est-ce qu'il nous dit lui? D'accord, oui je cherche, oui. Ils sont où? Où sont-ils? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Ah! J'ai trouvé. Xatu! Ok. 14. On va lui faire un petit aéroblast. Tellement stylé l'animation. Pic pic. Alors. Je sais pas si Tornade tue. J'essaye. Ah dommage. Oh psycho. Ah ça par contre. Ok c'est bon, on est plus rapide dans tous les cas. Tornade. Et ça tue. Le mec il a pic pic psycho. Au final, on est au niveau du jeu, et c'est plutôt bien. Ça veut dire que les jeux, peut-être, sont équilibrés en fonction des autres jeux, au final. Je ne sais pas. C'est rigolo. On y arrive sûrement bien, il n'y a personne pour m'aider par ici. La solution, la mer. Bref, la fuite, la solution à tout. Adieu, honte sur mer. Oui. D'accord. Bon, bah voilà, c'était easy. On l'a trouvé facilement. La fuite, c'est pas leur entraînement spécial à ces losers. Mais bon, on sait ce qu'ils ont, un bateau quelque part. Vu que le plus gros port du coin. Choum. Excusez-moi. C'est Volucité, il faudrait chercher par là. Rentrons à Honte-sur-Mer, mais trouver un endroit où débarquer. J'ai dû vous niquer vos oreilles. Désolé. On va peut-être XP un peu tunnel, tiens. Tunnel ou Exploforce. C'est les deux derniers. Bon, voilà. J'ai pas fait tous les dresseurs. Zarbi! Coucou, Docteur C. Et c'est le A en plus. Je crois que c'est celui-là qui l'a défoncé. Je ne sais plus. Niveau 4. On trouve un module cryo, ce qui est utile pour Genesect. Or, on n'aura pas Genesect, donc on s'en fout. On s'en fout. Neuf. Ouais, notre prochaine zone, ce sera les égouts de Volucité. Ensuite, ce sera Volucité. Et le chemin enfoui, je crois. Ouais. Et peut-être un petit peu, vous savez, le désert un peu après Volucité. Voilà. Bon, on va pouvoir partir. Attendez, on va passer un petit coup au centre Pokémon. Voilà, petit coup au centre Pokémon. Petit coup au centre Pokémon. Il faut pas oublier qu'on a des Pokémon au PC, comme Nidorino aussi. C'est vrai. Je ferai peut-être de l'XP en off pour Nidorino, voir ce qu'il peut donner. Faudrait trouver une pierre lune aussi pour le faire évoluer, ça serait intéressant. Ouais, une pierre lune. Bon alors, t'étais pas mal dans ton film, tu sais. Tu l'as vu? Ah, ce film. Mais je n'ai pas été retenu pour jouer Ryoluman en fin de compte. Ma prestation n'a pas enthousiasmé les foules apparemment. Eh! Te laisse pas abattre. Tu essaieras encore une fois, en continuant ton métier de capitaine. Si tu fais ton boulot sérieusement, tu es libre de faire ce que tu veux à côté.
Et puis, t'es sûr de savoir ce que pensent les gens du Pokéwood? Ah, tu les as vus? La Team Plasma s'est fait la malle, on dirait. Je respire pas complètement, mais ça fait du bien de voir qu'ils ont disparu. Bon, les choses ont été un peu rock'n'roll, mais tu peux prendre le bateau maintenant. Et ouais. Bien, je vais persévérer dans mon métier actuel. Les foules seront dans leur état avec le roulis des vagues furieuses. Si tu le dis. Je vais juste. Je crois qu'il y a des objets un peu partout dans cette ville. Voilà, par exemple ici. Ouais, d'accord, une Pokéball. C'est toujours ça. Y a pas des objets un peu par ici, par exemple? Ouais, bon, la flemme. Allez, la flemme, on s'en va d'ici. Et des combats et tout. La flemme. On n'est pas là pour les combats, nous. Non? Si? Bah, je sais pas. Tu vas voluciter? Oui. Je vais retrouver la Team Plasma et leur botter le train à ces sales types. Allez, capitaine, montrez-nous ce bateau dont vous êtes si fier. Entendu. Si vous voulez bien me suivre. Ouais, il est beau le bateau, hein. Sur l'émulateur, ça rend tellement vieux. Mieux. Et pas mieux. C'est grâce au filtre HD. C'est beau. Bienvenue à Volucité. Nous espérons que vous avez fait une agréable traversée en notre compagnie. Alors c'est ça, Volucité, c'est encore plus grand que ce que je pensais. Mais on s'en fiche. La Team Plasma peut se cacher où elle veut. Elle m'échappera pas. D'aller au fait, faut s'enregistrer dans le Void Kit. Sinon on se retrouvera pas. C'est plus pavillonné ici. Ouais, bah ouais. Quel drôle de bateau, un voilier, de nos jours. C'est bon? Je peux reprendre le contrôle? Le contrôle? Qu'est-ce qu'il veut lui? Bienvenue à Volucité et son rallye découverte. C'est la première fois que tu mets les pieds dans cette ville. Bien, tout ira comme sur des roulettes avec cette bicyclette. Ouais, trop chouette. Une bicyclette. Les règles du rallye découverte sont simples comme bonjour. Il suffit d'adresser la parole au bouffon d'un lieu désigné. Et tu participes seulement si tu as envie. Les lieux sont à visiter sont le bureau des médailles, le bureau d'enquête des rencontres et la Baston Sarl, SARL plutôt. Va sur la belle bicyclette que je viens de t'offrir et découvre notre ville. Super! Mais déjà, ta bicyclette, je vais l'enregistrer. Voilà. On a un centre poké. Ouais. Le pont machin. Merde, je voulais pas. Il n'y a rien là. Il n'y a absolument rien. Alors. Il y a quoi au shop, tiens? Est-ce qu'on a de la thune? J'en sais rien. Je crois pas. Il y a qui là? C'est pour soigner votre équipe? Oh, je suis désolé. Connaissez-vous? Non. Ah, j'aurais dû dire oui. TG! Voilà, le shop, c'est là. D'accord. Et ici. Ouais. Pas emballé. Au fait, mes CT, elles sont devenues quoi? Parce que je m'en rappelle pas. Oh putain! Alors, Yogia, Spatio Rift, Souvenir, Partage Garde, Recyclage, Coup de Boue, Tempête Sable. Spatio Rift. Ah bon? Spatio Rift. Oh, Spatio Rift. J'ai envie de la prendre à tunnel. Vu qu'il a que des attaques électriques. Voilà.
Ah, c'est vrai, les CT en plus, elles. Elles ne disparaissent pas. Elles ne sont pas à utilisation unique. Ah, c'est pété. Ah, c'est pété. Je crois que la reine est par là. Même si je sais très bien qu'on peut pas aller faire la reine. Ah, le champion. Il est parti à toute vitesse en disant « Une urgence m'appelle. Va le chercher si tu veux. » Mince alors, Artie n'est pas là. Oh, mademoiselle Iris. Ah, vous savez, effectivement, Artie est absent. Flûte. Artie est jamais là quand on veut le voir. Dès qu'il est en panne d'inspiration, il disparaît de son arène. Mais... La Team Plasma, elle a disparu depuis il y a 2 ans. Comment ça, non? Bah si t'as des soucis, je peux être télé. Un endroit où se cacheraient des gens louches. Ah, j'ai peut-être une idée. Misère. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Je crois qu'elle a... Elle a tourné au coin pour se rendre au centre Pokémon. Tu sais où se trouve... Oui, ouais... Oui, donc c'est bon. Ta gueule. Ok. Ah, elle est là. Ah, par là. C'est le quai... Quoi? Ce que c'est? Ouais. Le qu'est-ce que c'est? Ouais. Sûrement l'un des endroits les plus louches de Volucité, avec la rue étroite. D'accord. Ouais, donc voilà. Par ici, viens, je te dis. Ok. Oh, tu vas te calmer, Iris. Hein. Tu vas te calmer. Par là, c'est l'entrée des égouts. Alors, tu trouves pas le qu'est-ce que c'est louche. Ah ouais, d'accord, il y a une entrée. J'ai pas vu. Dahlia, tu l'as vu, la Team Plasma? Bah non. Ah, ils sont où ces sales voleurs de Pokémon? Bah, en tout cas, il faut essayer de retrouver leurs traces. Eh, tu vas me filer un coup de main. D'accord. Ok, donc il est allé dans les égouts. Les égouts. C'est vraiment idéal pour se cacher. Ouais, allons tous dans les égouts. Alors, moi, je vais juste voir si j'ai des balls, en fait. Attendez. Ouais. Onze balles. J'ai combien de thunes? Ah, j'ai pas mal de thunes. Donc allons acheter des balles. Clairement. J'aurais dû faire ça tout à l'heure. Souris. Alors, Pokéball. Non, non, non. Ta gueule. J'ai l'impression que le jeu n'est pas en vitesse rapide. Ça fait 2 fois que je me fais... voilà. Ouais, je vais regarder les options. J'ai l'impression que le jeu n'est pas rapide. Ou c'est moi. Je parle bien sûr du texte, quand il s'affiche. Et... Ah oui! J'ai l'œil, hein. On n'était pas en vitesse rapide. Et d'ailleurs, le style de combat, c'est en défini, et c'est pas en choix. Voilà. Bon, bah, on va essayer de faire la zone. Du coup... La zone des égouts. Attends, me dis pas que je dois aller avec lui. Je sens pas le truc. Y a pas des Pokémon là? Putain, y a pas de Pokémon. Ah si! Yes, zone. Équipant. Bon. Pourquoi pas? Oh
Anti-brume. Oh, trop bien. Bon, il devrait tanker une attaque quand même. Oh oui. Bien sûr. Bien sûr qu'il tanque. Il se réveille, il me fait pic-pic. On le rendort. Ok, Pokéball, Pokéball. Bam! Capturé! Easy. Et bah on va t'appeler Étincelle. Ouais, ouais, ouais. Le thé. Ah, Étincelle est tombée, boîte 1. Bon bah voilà. Bon, tu vas me filer un coup de main? Ouais. Et surtout t'inquiète, les Pokémon, c'est moi qui les soignerai. Ouais. Ah merde. J'avais pas vu l'eau. Je n'avais pas vu l'eau. Waouh. Eh, grosse zone, hein. Béquipant, Charmillon. Bah, lui, il a un grave avalanche. Et Morpheo. Waouh. L'anti-pouvoir, encore une fois. Hey! Vous croyez où? La Team Plasma, ça va être votre fête. Quoi, des menaces? Je vais t'apprendre la politesse. Personne ne nous empêchera de libérer les Pokémon. La ferme, sale voleur, petit escroc. En plus, vous utilisez les Pokémon comme des objets. Il est enragé, lui, pour la peine. Filez-nous vos Pokémon. Daya, on les explose. Là, c'est... Wow. Ça change des rivales qui sont d'habitude plus posés. Enfin, ça dépend lesquels. Typhlosion et Mimigal. Ok. En fait, j'ai peur qu'il fasse séisme avec sa merde, là. Je vais envoyer... Je vais envoyer éclair. Je vais envoyer éclair. J'ai peur qu'il fasse séisme avec Gravalanche, honnêtement. Et qu'il me bute, par la même cause. Hypercute. Rayon j'aime. Quoi? Quoi? C'est spécial. Gravalanche spécial. Lol. Sérieusement. Croc fatal. D'accord. Aéroblast. Mazdos. Ah. Attends, on les a défoncés. Enfin, il les a défoncés. Parce que moi, non. Ouais, ouais, ouais. Saleté de mioche. Bah, on a déjà fait le plein de Pokémon. On peut jouer les fils. Les fils. Les filles de l'air. C'est pas. Oui. Certes. Pff, plus rapide qu'un attentif pour s'enfuir. Bah, faut chercher plus profond. Je suis sûr qu'ils ont des complices. Vous pouvez vous épargner cette peine. Qui a parlé? Ah, d'accord. Eh, vous êtes Arty, le champion. Quel œil, oui, c'est bien moi, le seul et l'unique, Arty. Et, il n'y a plus la trace d'un malfaisant en ce lieu que de noir sur un monochrome blanc. Wow, hein? Tout à fait. Je garde moi aussi un œil sur la Team Plasma. Que diriez-vous de sortir par ici
Ces égouts sont une étuve, ma créativité s'étouffe. Oh, vous avez botté le train de la Team Plasma avec les autres champions il y a 2 ans, c'est vrai. Bon bah merci, tiens c'est de bon cœur, ce qu'il me donne. Oh, force, ok, très bien. Je les retrouvais bien, ces escrocs de la Team Plasma. Je les hais, ces sales types, je leur ferai payer. Oui. Il s'est évaporé. Eh hey, toi. J'ai pu admirer ton combat contre la Team Plasma. Tu as sublimé le potentiel de ton équipe impressionnant. Tu parles, j'ai switch et j'ai fait Aeroblast. Non, je dirais stupéfiant et intriguant. Voilà qui donne à réfléchir. Oui. Certes. Qui était-ce? Peu importe, le mystère a son charme. Que comptes-tu faire? Tu peux rester pour entraîner ton équipe ou venir me défier à l'arène, selon ce que t'inspire ta muse, au plaisir. Ouais, 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 mon gars. Eh bien, moi, j'ai très envie de faire la zone suivante, en fait. Y a quoi, là? Ah, y a un objet. La zone suivante, on va traverser... Eh, du lourd, hein. Du lourd, hein, cette zone. Ouais, du lourd. Du coup, ouais, je disais, je vais... Oh, la vieille ambre! Terra! Qu'est-ce que tu fous là? Aucun sens. Du coup, ouais, on va faire cette zone. Ouais, je vais mettre truc en premier. Non, pas sac. Pas le sac. Je vais mettre... eh bien, oui, rapace en premier pour faire sport. Voilà. Oh, fortress. Pourquoi pas. Très très bien, bien sûr. Petit Draco Griffe. Ça fera peut-être un peu plus. Ah non. Pas du tout. Ah là là. On capture Spoké. Bulle de boule. Fils de pute. Hey, rejoins l'équipe là, parce que tu viens de me buter mon meilleur Pokémon, mon starter en plus. Fais pas chier. Fais pas chier. Non. Stop. Stop là. Tu m'as saoulé. Fortress. Allez. Merci. Je suis dégoûté, il m'a buté, Masco. Oh là là. Oh là 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 là. Oh.
Ah, oh, sa mère la pute. Que le singe. N'avait pas réussi à fuir. Ouais, c'est bon, hein. J'aurais tellement préféré avoir lui en zone. Bon, allez, on va s'arrêter là dans ce 10e épisode. On ira voir nos deux nouveaux Pokémon. Eh bien, plus tard, je vous fais des bisous. Je suis dégoûté pour Rapace, la mascotte du challenge est morte. Il s'est fait défoncer par un Bulldoboule d'un Fortress. Alors oui, je sais que le type insecte est super efficace, hein, sur la plante, mais voilà, on peut pas imaginer quelle attaque il a. Bulldoboule, ça fait même pas tant de dégâts que ça. Je ne sais pas. En tout cas, des bisous. J'espère que vous avez apprécié quand même ce 10e épisode. Un petit peu couac. Des bisous, je vous aime. À la prochaine. Bye bye.